Et bien tout le monde, c'est Flocamy, et aujourd'hui c'est pour nous la vidéo sur Dead by Daylight PC. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai ma nurse ici présent, donc on va jouer en tueur. Et comme vous voyez à l'écran, et bah le chargement s'il vous plaît. Le chargement, voilà. Je suis niveau 50 avec ma nurse, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? Oui, mais on va pas faire ça tout de suite. J'ai économisé des points pour pouvoir le remettre après. En plus, c'est le double point. Donc j'en profite, encore 2 jours d'ailleurs. Et donc, voilà mon build. Et voilà les accessoires que je vais utiliser pour jouer à Nord. Donc ça, qui rajoute 2 téléportations, mais qui réduit légèrement la portée maximum de la téléportation. Et respiration difficile, qui rajoute juste 1 téléportation, sans effet secondaire. Donc c'est pas mal. Et donc en France, on va bien sûr mettre 1 banderole. Tout simplement. Et donc bah on va partir hein. Aussi je me suis fait un petit kiff, je me suis renommé comme ça hein, sur Steam voilà. Du coup je pense qu'on va avoir dans les presque 600 000 points de sang pour la passer, 700 000 points de sang j'allais dire. Donc c'est énorme parce que vraiment bah, c'est énorme tout simplement. Donc je pense avec 700 000 points de sang je vais toucher le niveau 30 je pense. Il y a moyen que je touche le niveau 30 avec la nurse. Donc bon bref, on va partir. Bah, tout de suite, j'ai pas acheté de d'ailleurs aussi, oui, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Le temple est revenu, donc j'ai acheté cette compétence qui m'intéressait. Et sinon, voilà, le temple est revenu. Et j'ai pas acheté de costume pour ma nurse. J'en ai pas acheté parce que j'ai plus de cellules. Voilà, tout simplement. J'aurais pu acheter celui-là, mais j'ai toujours pas d'éclairiser, j'en ai pas assez. Hey, hey. Mais d'abord je pourrais en acheter très prochainement, j'achèterai celui-là je pense, on verra. Bon bref, du coup bah, je vais trouver un salon et je vous dis c'est parti, on passera prestige à la fin de la game. Allez, à tout de suite. Et donc bon, oui, ah non. là, désolé, mon build c'est celui-là, c'est mon build parfait, c'est à dire c'est mon meilleur build que je pense que je puisse faire avec ma nurse. Vocation l'infirmière, il sera à la perfection si je l'avais niveau 3, mais je l'ai que niveau 2, bon malheureusement. Bon, bref, vocation l'infirmière niveau 2, Baker Choice niveau 3, Ruin niveau 3 et Chili Barbecue niveau 3. Voilà. C'est ça mon build, c'est le build parfait pour une nurse à mon avis je pense. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en game. Et bien heureux, donc c'est bon la game a commencé. Donc, on est parti sur Haddonfield avec ma petite nurse, tout simplement. J'espère que le petit chargement en haut... On va pas prendre trop longtemps. Du coup, alors, la nurse c'est pour moi le tueur le plus pété du jeu. Même si je pense qu'elle peut être dépassée par le montagnard. Voilà. Je pense qu'elle peut être dépassée par le montagnard si tu maîtrises ton montagnard complètement, parce que la nurse est quand même beaucoup plus dur à jouer que le montagnard. Voilà. Donc, en soi, si t'es un débutant dans le jeu, va plutôt sur un montagnard. Par contre, si tu veux un peu comme moi expérimenter les fonds les plus profonds du jeu, on va dire, et bah prends une nurse parce que c'est la tueuse qui peut t'offrir le plus de possibilités dans le jeu, je pense, à mon avis. Ceci n'est que mon avis, donc mon ruin est juste là, il n'est pas très bien caché malheureusement. Et je n'ai pas encore croisé de survivant. Alors un nurse contrôle le mec. Alors, on a touché. Parti par là. Ah, de peu. Oh, on l'a eu. On va juste péter le générateur et la palette. Et on va la ramasser. Allez. Ok, donc j'aurais pas dû faire ça parce qu'on est tombé sur une bande très hard apparemment. C'est largement relou. Et ton geste n'aura pas servi à grand chose. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Ils sont pas très forts quand même. C'est une bande très hard, mais ils sont pas très forts. Du coup, je tiens à préciser aussi que je joue bien clavier souris. Hein. Vraiment, parce qu'il y a des. Sur mon live, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent. Enfin, beaucoup de personnes en plus, mais. Mais je joue clavier souris, voilà. Arrêtez de me poser la question, je vous le dis. On va péter ça.
Mais Kirchhoff ne s'est pas activé parce que je suis occupé du crochet. Le casse l'enfermière, est-ce qu'elle va parler? Je sais pas. Je suis parti par là. On va les suivre. Hein. Non pas que je veuille focus, mais quand on a des traces. Ouh, bonsoir. On l'a vu. Eu donc elle va faire deux fois qu'on l'accroche. J'ai pas de memento sinon je m'aurais pris un pour la vidéo, mais comme j'en ai pas, en plus c'est double BP donc j'en ai profité pour mettre une banderole. Le double BP ça rigole pas, je gagne à peu près 100 000 points par game environ, c'est pas trop mal. J'ai fait un générateur, elle est quasiment morte. Ils sont par contre chez le barbecue donc ils sont tous à côté. On va pas camper pour autant. Ah j'entends le TP, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais mis combien 5 TP, ouais. C'est complètement beaucoup. Ils sont là-haut par hasard. Non. Par contre sauver là pour que mon Make Your Choice puisse s'activer. Voilà parfait, Make Your Choice est activé. Là, c'est pas que je te focus grosse, mais tu viens à chaque fois vers moi. Tu viens tout le temps vers moi, gros, c'était pas très intelligent d'à côté. Genre, je focus pas du tout, mais je la vois tout le temps. Elle le vraiment. Bah écoutez, les gars, ça part sur un premier décès. Hein. J'espère que celui qui a mis Cure Choice, je vais pas le croiser avec Chili Barbecue. Parce que vraiment, ça va partir sur un décès sinon. Donc, premier kill. J'ai rien là-bas. On va le chercher. Il est en haut de la maison là-bas. Ah non, elle a sauté par la fenêtre. Je crois qu'elle avait, elle était en casier. Mais... Elle est juste sautée par la fenêtre, putain. On fouille quand même, mais non. Non, non. J'étais là. Moi je dis elle alors que c'était un Dwight, mais je crois qu'il y en a un deuxième. Oh oui. Bon au moins c'est bien, je lui fais user son drôle mondeur pour rien parce que première je l'aurais pas touché. En soi, c'est pas grave. Merde. Misclic. Pour un con, qu'est-ce qu'il fait? Yes, bah écoute, lui il a dû rater un test pour se soigner. Ce gros con, je sais rien. Bon, on va l'accrocher. Elle, en tous les cas, on passe sous une palette, on prend le risque, on s'en bat les reins. Allez, accroché, petit barbecue. Ils sont tous à côté, ok. On va juste aller péter le gène. Et on va aller voir les autres gènes. Hein. Okay. Make Your Choice activé, on va y retourner du coup. Oh, c'est ça la technique, vous allez vers les autres gènes. Et dès que le mec se fait décrocher, vous revenez. Et avec un peu de chance, vous trouverez... Ah bah là... Non, c'était l'autre, effectivement. Attends, on va la prendre. Elle... Pas très doué. On va éviter de passer sous la palette parce que je sens qu'ils vont venir, ces petits bâtards. Tout le monde a rien accroché juste ici. Allez hop, ça débloque la poche. Ah.
péter ça. On va y aller sur lui. On va le prendre lui pour avoir l'air au moins de ne pas trop focus. Là j'avoue qu'ils ont pas de chance parce que je tombe toujours sur les mêmes depuis tout à l'heure. Donc après ils vont me dire qu'à la fin de la partie je focus. Et l'autre je l'ai vu, hein. Ne vous inquiétez pas. Par là. Voilà, par là. Qu'est-ce que tu fais? Quel con. C'est devenu utile. Ça va juste retarder l'échéance en fait, madame. Allez, 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 fais le tour. Fais le tour. Fais-moi perdre du temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça servira à rien. Sauf s'ils ont des flexibles. Ce qui est possible, techniquement. On l'a vu. Oh, le bâtard, bien joué. Ça sert à rien, monsieur. Je vous fais trop tarder l'échéance. Bon, c'est bien joué, il joue bien, mais vraiment ça sert à rien. J'ai clairement gagné là. Oh, voilà, les trois terres. Bon, bah là, il y a juste à espérer qu'il y ait 800 crochets à côté. Oh, l'accrocher là-bas. Là. Bon, avant, ça part sur un 4 sur 4. Hein. Normalement, s'il n'y en a pas un qui est un défectif. Hop. Je vais avoir du mal à les accrocher les trois, mais on a bien joué là. Si si, il y a un crochet là-bas, je pense que j'aurai le temps quand même. C'est juste que je trouve le dernier qui est à terre. Donc il est dans le coin. Ça c'est un bon indice. Je sais qu'il est par là. Maintenant le problème ça va être de le trouver. Ah bah il est là. Normalement, je pense que j'ai le temps d'y aller, au crochet là-bas. Je pense que j'ai le temps. Je merde, c'est des babas, donc. Bah, easy, hein, il est à 4h04. En plus, je vais passer rang 8. Je pense. Alors, peut-être plus tard de se débattre s'il s'était débattu. Mais bon. GG Wellplayed. GG Wellplayed, le petit 4h04. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je dis que la nerf c'est vraiment un potentiel dévastateur. C'est que là, je vais pas dire que je les ai un peu explosés les gars. Un tout petit peu quoi, t'as vraiment sans bon. À côté c'était pas très bon. Bon bref, je suis pas ici pour me jeter des fleurs. On a fait un 4 sur 4, tout ce qu'il faut, voilà, je passe en 8, c'est nickel. Le petit truc violet, ça me fait plaisir. On a, ouais, c'est bien ce que je dis, nous, on a presque 700 000 points de sang. On est 100 000 dans la game, voilà. Full irisé, ça m'étonne pas trop. Combien je... Ouais, je vais passer niveau 33. Je suis un petit jeu well play et on va passer de prestige. Hein. Écoutez les gars. À niveau 34, j'ai gagné quelques éclats également. On va se barrer. Par contre j'espère que je vais avoir un aussi bon build que là, parce que là c'était vraiment le build parfait que j'avais. J'espère que je vais récupérer mes perks. Hein. On espère. Donc, bref, on passe le prestige. D'ailleurs vous aurez bientôt une vidéo en survivant. Je tease un peu où je passerai ma clé de prestige 2. Voilà. Donc, bref. Allez, c'est parti. J'en fais que ça recorde bien au cas où. Ok, ça va, bon. Vraiment, go. Allez. Oui, oui, oui. Là, je prends des petits screenshots. Parce que... bon. Ok, par hasard, ça me sert vachement à quelque chose. Ça commence bien. Alors, les cuillères, ça me sert. Par contre, je m'en toujours mets. Moi, c'est les cuillères et je sais plus comment c'est quoi le sort que je me sers. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, je vous montrerai quand il sera là. Allez, niveau 4. Donne-moi une vocation d'infirmière.
Un chill barbecue, un ruine, un make your choice. Bon, le meilleur, c'est un chill barbecue. Hein. C'est le principal. Personne n'échappe à la mort, je m'en bats les reins. J'utilise pas. En tout cas, sur ce tueur, j'utiliserai jamais. Je pense. Pareil, un placard, je m'en bats les reins. Niveau 7. Prédation. Vraiment, c'est très utile ça. Pierre perte de la chasseuse. Donc... Ah voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est bien. Voilà, c'est celui-là que. Non, c'est pas celui-là, merde, je me suis trompé. Attends. Donc, merde, je vais montrer mon build après. C'est bien, on a au moins ruine qui est intéressant. 12 personnes échappent à la mort niveau 2. Alors, je m'en bats les stocks. Donc, c'est parce que je suis obligé de le prendre quand je vais prendre les gars. On va économiser le maximum de points. On va prendre le moins cher qui est allé chercher. Voilà. Ça c'est bon. Berceuse, ça passe, mais bon, je vais pas l'utiliser. Donc en fait, on s'en fout. Ça, ça passe, c'est un bon accessoire. Ancien territorial, c'est nul, qu'on soit clair. Ça, c'est un bon accessoire, mais bon, je vais pas l'utiliser. Ah oui, parce que maintenant avec la mise à jour, dès que vous prenez votre tueur, vous avez directement ses compétences. Donc, c'est pour ça que j'ai eu direct niveau 2. Maintenant il manque plus qu'un petit chili barbecue là. C'est une bonne perte, mais bon. Enfin ça c'est une bonne perte. Mais c'est pas dans le build, donc je m'en balais carrément le steak. Voilà. Donc c'est complètement pourri. Enfoiré, il m'a piqué ce que je voulais prendre. 16. Oh oui, bon bah. Il manque plus que le make your choice. Et on a le build que je veux. Parce que là du coup je sais que je vais le réavoir dans la toile. Il manque plus que j'ai le make your choice. Oui, niveau 2 parfait. Alors on est bien, je me mets bien, honnêtement. Ressource lumière, ça peut servir occasionnellement, mais je vais pas m'en servir, honnêtement. Je m'en fous un petit peu. On n'arrivera pas à niveau 30, hein. Je me suis peut-être un peu emballé, je pense qu'on n'y arrivera pas. Personne, je sais pas le voir, niveau 3, on va le prendre, parce que... Personne, je sais pas le voir, ça reste quand même une excellente perk, mais si je m'en sers pas... Faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est une très bonne perk. Mais je m'en servais pas, je m'en servirai pas. On va prendre le moins cher à aller chercher, encore une fois. On va prendre le pudding parce que avec le double bullet point, ça peut leur servir un pudding. Ok, coup du pendu, pire perte du jeu, je trouve. C'est de la merde. Ah non, pas coup du pendu, c'est l'autre là. Surveillance, je crois qu'il s'appelle. Je la déteste. Ouais. Le jeu sadique, c'est nul. Allez, donne-moi mes pure choice. Mes pure choice, les gars. Soyez sympas. Pisteur, moi, c'est bien. Ça, c'est le meilleur accessoire que j'ai. Je vais aller chercher le pisteur. Ça peut toujours servir, un pisteur. Oh oui, niveau 3. Enfin. Première perte niveau 3. Je sais pas, mon rêve. Première perte qui m'intéresse en tout cas niveau 3. Plus que 136 000 points. Allez. Oh oui. Oui. Je dis oui. C'est un gros oui. On prend pas le même mento. Parce que première, je vais encore passer de prestige. La prochaine fois, donc j'en aurai. En gros, je prendrai les mementos que quand je serai prestige 3. Quoi. Je me donnerai la peine d'aller les prendre, en tout cas, que quand je serai prestige 3.
Parce que quand on est précis, je crois qu'on reset pas ces trucs. Donc j'en aurai. Bon. J'en ferai usage. On va prendre ça parce qu'il y a le gâteau au passage. C'est seul. Enfin, le pudding, c'est seul, la seule raison pour laquelle je le prends. Bon, donc on va arriver niveau. Bon, j'étais pas loin quand j'ai dit niveau 30. D'accord, on peut peut-être y arriver. Hein, j'en sais rien. On va prendre. Attendez. 4000, 5000, 9000, plus 4000, 13000, 3000, 6000, 12000. Donc on va prendre le repart. Parce que c'est moins cher. Je sais que je suis à 1000 points près, mais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la dèche. Hein. Bon, bah j'ai dit niveau 30. Et bah on va arriver niveau 30. Hein. Mes pronostics étaient donc exacts. Par contre, j'aurais pas eu de chill barbecue niveau 2. Ça, c'est un peu chiant. Ni mes pure choice d'ailleurs. Donc j'ai eu pas mal de pertes qui m'intéressaient, j'ai quand même été globalement plutôt chanceux. Surtout le petit rune niveau 3. Bon. Oh bah ça s'arrête là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais je sais. Du coup bah j'ai eu ça, là, ça. Et en dernière part qu'est-ce qu'on va mettre? Bonne question. Et du coup pour remplacer, je pense que pour remplacer le Make Your Choice, je vais mettre personnage qui fait la mort. Je pense que je vais partir comme ça. Jusqu'à ce que je repasse prestige. Je pense que je vais partir comme ça. Ouais. Et ce qui semble le mieux. Le temps que je chope mon Make Your Choice. C'est ce qui me semble le mieux. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Niveau accessoire. Alors. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, il est où? Voilà. C'est bien celui-là. Je m'étais pas trompé. Et j'utilise celui-là. Normalement. Et quand j'en ai plus l'un des deux. Si c'est celui pour la téléportation, en plus, je prends celui qui... voilà, je prends celui-là. Et si c'est celui que j'ai pas, je prends, en général, il est où ? Voilà, celui-là. Donc, bref, voilà mes petits builds. Du coup, bah... on est déjà niveau 3, donc bientôt déjà prestige... ah ! On a oublié le plus important. Déjà plus bientôt prestige 2, ma petite nurse. Le petit truc prestige, hein, la petite récompense quand même. Bon, dès que je suis prestige 3, je vais remettre celle-là, clairement, parce qu'elle est plus stylée. Mais au moins, le temps que je passe prestige 2, je vais pas dire ce truc-là. Bon. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait quand même mal. J'avais 700 points, là, j'en ai plus que 1300. Bon, je suis passé rang 8 aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, du coup, on a Bitnurse prestige 1. Et donc, voilà. Sur ce, bah, écoutez. Peace, les potes. Allez, ciao, ciao.